بمدينة الدار البيضاء تم يوم الثلاثاء تقديم النسخة الأولى من سباق الزوارق الشراعية ميد ماكس أوكسياني أسعدية غيزورت 2024، سباق بحري سينطلق من مدينة غودوروا ومينائها بوركاماراج يوم 29 من شتنبر المقبل وصولاً إلى مارينا مدينة السعيدية في 4 أكتوبر. السباق الذي سيجمع بين ضفتي المتوسط سيتنافس خلاله أزيد من 80 مشاركاً بفئتين من الزوارق كلاس 40 وأوشن 15. Le pari s'est développé ce concept-là en Méditerranée et entre les rives de la Méditerranée, dans l'Europe, l'Asie et la prochaine édition vers l'Orient et l'Asie. Voilà, donc c'est un pari sur l'avenir et on a beaucoup de plaisir à venir aujourd'hui présenter les contours de cette nouvelle course qui s'appelle la Med Max Occitanie Saïdia, donc entre le sud de la France et le nord du Maroc. Une région du Maroc, la région de l'Oriental, qui est finalement assez méconnue du grand public, notamment en Europe, et qu'on va faire découvrir. عرض البحر الأبيض المتوسط سيكون مسرحا لحدث رياضي كبير لعشاق سباق الزوارق الشراعية، تظاهرة ستسهر على تنظيمها جهة أوسياني وجهة الشرق وشركة تنمية السعيدية، وهي الأولى من نوعها والتي ستستقطب بحارة من كل دول العالم. Je suis vraiment très fier d'être au départ de cette première édition qui, j'espère, va durer dans le temps. Et nous, en classe 40, on va être 18 bateaux avec un très gros plateau. Il y a beaucoup de skippers étrangers qui viennent, il y a des Italiens, il y a des Français. Et on a la chance d'avoir aussi un skipper natif du Maroc. Donc ça va être chouette, ça va être une très belle course. Nous ferons un honneur d'accueillir les participants à la hauteur de la réputation de l'hospitalité marocaine. Et bien sûr, pour faire découvrir à tout le monde cette magnifique région qui a d'abord beaucoup de sites d'intérêt biologique, et notamment un site Ramsar, et une super marina de 850 anneaux qui est très méconnue dans le bassin méditerranéen. Et d'ailleurs, le bassin méditerranéen avait vraiment besoin d'une régate. اختيار المحطة السياحية للسعيدية ومينائها الترفيهي كخط نهاية لسباق ميد ماكس هي فرصة لتسليط الضوء على مؤهلات المنطقة الشرقية للمملكة ومقوماتها لإنجاح تظاهرات رياضية مماثلة.